Bonjour à tous et à tous. Donc, quand je vous dis que dans le bois de chauffage, il y a des morceaux qui peuvent être intéressants pour la sculpture ou de la décoration, voilà, je vais vous prouver ça en image. Donc voilà, j'ai coupé un peu de bois et là, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un billot de chêne. Voilà, dans les 20, 20, 25 peut-être, 23. Voilà, il était creux des deux côtés. J'ai gardé la partie la moins pourrie. Je vais enlever l'écorce. Et je vais essayer de faire une ruche en creusant le milieu, puisque il est pourri des deux côtés. Il est attaqué par une pourriture. Donc ça peut être intéressant. Après, il faut y mettre une pierre plate, faire une entrée en bas pour les abeilles. Mettre ça dans le jardin, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, ici, alors, je vais vous pousser un tronçon. Voilà, ça, là, ce que je vous montre, c'est du genévrier. Alors, ça paraît pas génial comme ça. Par contre, quand on regarde la partie coupée, voilà, le bois est très intéressant. Donc, là, faudrait enlever le cœur ici. Et après, on pourrait faire des manches de couteau. Donc, là, c'était déjà un beau genévrier. Voilà, hop, je vous montre ça. Celui-ci est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, cette bûche-là, c'est de l'érable. De l'érable champêtre. Donc je l'ai reconnu à l'écorce, connaissant bien l'arbre. Voilà. Donc il faut apprendre à reconnaître les arbres avec leur écorce. Un beau bois blanc, bien dense. Il a poussé doucement. Les cernes doivent faire 1 mm, 1,5 mm au début. Donc on va avoir un bois sympa. Qui peut faire un bois très dur pour faire un petit maillet de sculpture. Voilà. Et ensuite, on a ce morceau là. Donc qui est pas très. Comme ça, on le regarde, on se dit il n'y a rien dedans. Et par contre, quand je le retourne, voilà. Je vais me lever. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc ça peut être sympa pour travailler, désolé les poules, donc pour travailler en vannerie, faire la base, et après revenir piquer des montants ici, et tresser dessus, bien nettoyer intérieur-extérieur en enlevant l'écorce, poncer, on peut en faire des luminaires, voilà. On peut aussi y planter des fraisiers, des plantes comme ça, voilà. Donc juste pour vous prouver que ben, y a des trésors dans vos bois de chauffage et que suffit de connaître un peu les espèces, avoir un peu d'imagination et on peut trouver des choses sympathiques. Voilà. Je vous dis à bientôt.